Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 19 janvier. Il est 17h34. J'ouvre le vlog seulement maintenant, tout simplement parce que je me suis levée à 16h45. J'ai sorti les chiens et j'ai allumé mon fondant. Donc aujourd'hui, c'était pomme cannelle. Voilà, donc le fondant est en train de diffuser et j'ai aussi préparé une... pas une grosse commande en termes de choses, d'articles, mais une grosse commande en termes de prix. Voilà. La personne m'a pris deux brûleurs, six fondants et mon roman. Voilà. Donc là, la commande est prête, juste à imprimer le bordereau, la poste, Colissimo, et le mettre dans ma boîte aux lettres. Voilà. D'ailleurs, dans ma boîte aux lettres, il y a mon... Il y a ma livraison Amazon qui devait avoir lieu hier. Voilà, livraison par Amazon, donc les Nord, le roman et le shampoing. Je vais aller chercher quand j'irai déposer le colis dans la boîte aux lettres. Et en fait, ma course à Jensen n'arrivera que le 23. Voilà, ils ont eu les soucis de retard de livraison. Et après, je dois recevoir aussi, en plus, pour mon projet secret, d'autres choses entre le 22 et le 24. Voilà, donc c'est pour le projet secret, et après, une fois que j'aurai tout, je pourrai pas commencer parce qu'il me manque d'autres choses, il me manque d'autres choses pour le projet secret, mais voilà, je pourrai commencer certaines choses. Voilà, je pourrais commencer certaines choses, et puis voilà. Donc écoutez, ben voilà, voilà ce que j'ai à dire. Donc j'attends, là je vais aller imprimer le bordereau donc de livraison. Et voilà, donc la commande est préparée. Donc la personne m'a pris les deux derniers brûleurs verts qu'il me restait. Deux fondants de trois fragrances, donc cachemire et soie, au coin du feu et rose sauvage. Et donc mon roman, voilà. Donc elle ne m'a pas spécifié si elle souhaitait une dédicace, donc je n'en ai pas faite. Donc voilà. Comme j'ai dit, je ne peux pas forcer les gens à avoir une dédicace s'ils n'en veulent pas sur mon roman. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, donc je suis créatrice de fondants parfumés. Mon site c'est lesfondantsparfumésdenanou.com. Et en ce moment, vous pouvez bénéficier des soldes jusqu'au 6 février, 23h59. Vous pouvez bénéficier des soldes d'hiver, voilà. Donc pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 20%. Je pensais que j'avais mis les montants hors frais de port, mais au final, les frais de port sont compris dedans. Voilà. Donc en fait, voilà. Si vous faites une commande de 20 euros et que vous avez 5 euros de frais de port, ben vous aurez une commande avec les moins 10%. Voilà. Je m'en suis rendu compte quand j'ai eu une commande qui était en commande abandonnée. Et bon, c'est pas très grave, ça je m'en fiche. Le but, c'est que vous soyez satisfait de mon travail. Voilà, le but, c'est que vous soyez satisfait de mon travail. Donc voilà. Donc le but, c'est que voilà, vous soyez satisfait de mon travail, que mon travail plaise. Donc voilà, je rappelle que les fondants sur le site vont de 70 centimes à 7 euros pour le format le plus gros. Et vous avez aussi donc des brûleurs. Voilà, vous avez aussi des brûleurs, donc n'hésitez pas. Vous avez aussi des diffuseurs pour voiture et de la poudre parfumée pour aspirateur. Les diffuseurs pour voiture sont à 4 euros. Les poudres parfumées pour aspirateur, les 50 grammes, sont à 4 euros. Et les 100 grammes sont à 7 euros. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer commande. Voilà. Il y a aussi donc mon roman qui est au prix de 13,50 euros. Roman que vous ne retrouverez en format papier que sur mon site. Vous le retrouverez en format papier que sur mon site. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer commande. Voilà. C'est un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains, c'est un roman d'un sujet sensible. C'est un roman d'une histoire d'amour et de haine, d'une descente aux enfers. Et en fait, je dis que c'est un sujet sensible parce que j'aborde
l'homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Non, je n'ai rien inventé, je m'étais renseignée sur le sujet. Je sais que ces choses-là arrivent et existent et sont souvent passées sous silence. Malheureusement, c'est souvent passé sous silence et je trouve ça absurde qu'un acte homophobe, on va préférer parler d'actes racistes. C'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave de se dire qu'un acte homophobe, on va préférer dire que c'est un acte raciste, ça passe mieux, il paraît. J'en sais rien. Pour moi, les deux sont dégueulasses. Donc voilà. Donc écoutez, je vais imprimer le bordereau, je bois mon café et je vous dis à toutes. Il est 19h41. Je vous reprends. J'ai ma voisine, celle qui est sur le poney, qui a débarqué chez moi, du moins qui a sonné à ma porte. Je dis, mais qui peut sonner à ma porte? Elle me dit, oui, vous avez un colis en bas. Oui, d'accord, je sais, c'est le colis Amazon. Oui, il est devant la porte, dehors. D'accord, ça ne te serait pas venu à l'esprit de le rentrer dans l'immeuble? Je t'ai pas dit de me l'apporter, mais de le rentrer dans l'immeuble, ça ne te serait pas venu à l'esprit? Voilà. Elle m'a dit, oui, parce qu'on peut vous le voler. Oui, en effet, merci Amazon, de l'avoir mis devant la porte de l'immeuble et pas dans l'immeuble, parce qu'à la rigueur, qu'il ne passe pas dans la boîte aux lettres. Je suis d'accord, mais tu le rentres et tu le mets sous la boîte. Là, j'ai pas compris Amazon, là. Là, franchement, je pourrais faire ma connasse et dire à Amazon que j'ai pas reçu mes produits. Parce que le colis leur a été volé. Mais bon, je suis pas une connasse, que j'ai bien reçu mes produits. Donc j'ai reçu le tome 4 d'Eragon, mon shampoing aussi volume et les trois flacons de perles Lénore. J'ai pris le printemps. Je me trompe pas, le rouge. J'ai pris le printemps, donc voilà. Parce que je n'avais plus le jaune. Non, c'est le jaune, c'est Sunlight. Bon, peu importe. Il n'y avait pas le jaune, donc j'ai pris le rouge. Peu importe, de toute façon, pour moi, débile Lénore, c'est débile Lénore. J'ai fait ma lessive de drap. Voilà, donc il y a ma serviette de douche. Il y a mes draps d'hier, puis du petit linge. Voilà, mais j'ai pas beaucoup de petit linge, parce que j'avais fait une lessive avant. Voilà, donc là, je ne sais pas ce que je vais manger. Je voulais me décongeler un haché de poisson, un haché de saumon. Je voulais me décongeler. Je pense que je vais me décongeler un haché de saumon et je vais le manger ça ce soir. Pour l'instant, j'ai pas très faim. Je bois de l'eau. Voilà, je bois de l'eau parce qu'il faut que je boive le plus possible. J'ai mon injection à faire. Voilà, j'ai mon injection à faire. Donc pour l'instant, j'ai le temps. Voilà, ma dernière injection. Comme ma dernière injection de la seringue. Il faudra que j'aille dans la semaine prochaine faire le stock de médicaments. Voilà, donc voilà, j'ai récupéré mon injection. Voilà. Et puis voilà, donc là pour l'instant, ma mère m'a dit que lundi, on partait à 10h15. Voilà, pour que je sois à 10h45 à l'hôpital. Voilà, parce que je vous rappelle que lundi, je me fais donc opérer. Je me fais opérer. J'ai une extraction dentaire en anesthésie locale. Et normalement, il y a deux dents qui partent. Normalement, il y en avait qu'une. Mais j'ai cassé la deuxième. Du moins, le plombage a cassé. Quoi, la couronne a cassé. Et la dent a cassé. Donc, ça me bousille la langue. Ça, je vous ai expliqué. Ça me bousille la langue parce qu'en fait, j'ai la langue qui râpe. Et des fois, sans m'en rendre compte, je vais me mordre. Voilà, je vais me mordre et en fait, en gros, bah, la langue, elle va se coincer dans la partie aiguisée, dans la partie coupante de la langue. Donc, je vous dis, c'est un vrai bonheur. Donc, vivement que ses dents se cassent, enfin, se cassent, partent, du moins, parce qu'elles sont déjà cassées. Voilà. Donc, j'en ai ma claque de ses dents. Il va falloir que je commence à penser à faire des prothèses, je ne sais pas. Parce que là, il va me manquer deux dents. Bon, c'est des molaires, ça va. Mais attends, je regarde. Il va me manquer deux molaires.
Et c'est les avant-dernières, les deux avant-dernières. Parce que là, j'ai plus de molaire en haut. Il manque trois molaires en haut. Les dents de sagesse et une molaire en bas. Mais la dent de sagesse, la molaire, elle avait été retirée pendant mon opération des dents de sagesse. J'en ai totalement marre. À la fin, je vais être sans dents si ça continue comme ça. Mais après, tant que c'est des molaires, ça me va. Tant que ça ne touche pas les dents de devant, je m'en fous. Alors par contre, pour manger, c'est plus compliqué, puisque bah, pour mâcher sans molaires, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais il va falloir que je pense à, je sais pas, mettre... Je sais pas. Mais j'ai pas les moyens de poser des implants. J'ai pas du tout les moyens de poser des implants. Donc, même un appareil, du moins là pour remplacer les molaires, je pourrais. Vous savez, les appareils qui se clipent sur les dents, quoi, les de la dent de derrière et la dent de plus loin. Bon, il y a des semi-appareils qui se clipent, mais je n'ai pas les moyens. J'ai totalement pas les moyens de payer ça. Et c'est pas remboursé par la CMU. Donc voilà. Donc c'est très 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 compliqué. Les dents, c'est très important. J'ai une hygiène dentaire normale. Je ne dis pas qu'elle est irréprochable, mais normale. Je me lave les dents à mon réveil, je me lave les dents à mon coucher. Voilà. Voilà, je n'ai pas de d'hygiène dentaire déplorable ou je ne sais quoi. Et en fait... Excusez-moi. Et en fait, ma dentiste, elle ne comprend pas la dégradation aussi rapide de mes dents. On n'en comprend pas. J'ai mal quand je touche, mais c'est normal, je touche avec ma langue. J'ai un peu mal, c'est pas très grave. Là, je suis pas en état de mal à prendre un médoc. Voilà. D'ailleurs, j'ai une méga migraine. Au coucher, je me suis endormie, il était 6h du matin passé. Je me suis mis au lit, il était 5h30. Voilà. Et en fait, j'avais pris un ibuprofène avant de me coucher. Voilà. J'avais pris un ibuprofène avant de me coucher parce que je commençais à avoir mal aux dents. Et le temps qu'il fasse effet sur la migraine, ça a été un calvaire. J'avais la tête, j'avais qu'une envie, c'était de me taper la tête contre les murs. Et j'avais la flemme de me relever pour prendre l'anti-inflammatoire. Voilà. Donc, ouais, c'était vraiment. Ouais, je me suis endormie, il était plus de 6 heures du matin. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas spécialement fatiguée, puisque j'ai bien dormi. J'ai dormi 10 heures. Un peu plus, ouais, j'ai dormi un peu plus de 10 heures, on va dire 10 heures et demie. Donc, je suis pas spécialement plus fatiguée, parce que je me suis levée, ouais, je me suis dû m'endormir vers 6h15. Et je me suis levée, il était 16h45. Donc, ça va, j'ai, ouais, 10 heures et demie de sommeil. Et en plus, j'ai du taf à faire, ça faut que je le fasse. J'ai du taf à faire et d'ailleurs ma cliente m'a appelée aujourd'hui. Faut que je regarde si elle m'a laissé un message. Voilà. Faut que je regarde si elle m'a laissé un message et puis il faut que je lui renvoie un message. Si elle m'a laissé un message, on verra bien. Et puis voilà. Et je vous dis à toutes. C'est l'heure des câlins. Attendez, je vous prends la crevette qui est en train de... Non, ma fille! Mon revêt, il leur des câlins. Oui. Oh, je me suis pris un coup de tête dans la tronche. Ma fille, tu me lèches pas la figure. Oui, c'est l'heure du câlin, mon bébé. Je crois qu'il n'y a pas d'heure pour les câlins, mais avec vous, de toute façon, il n'y a pas d'heure. Ma fille. Ma crevette. Oui, ma fille, tu es là, je te vois. Tu n'es pas invisible, mon bébé. T'as une grosse tête devant maman. Kamel, tu veux venir faire câlin avec nous? Kamel, viens faire câlin avec nous. Melba, laisse-moi. Kamel, viens. Dépousse ton petit cul, toi. Regardez-la. Regardez-la, elle a mis son petit cul devant Kamel pour pas que Kamel elle passe. Hé! Kamel, on va venir faire câlin avec nous. Kamel, viens faire câlin. Viens, Kamel. Viens, Kamel. Kamel, viens. Bah, viens, mamie. Eh, viens.
C'est assise au final. Viens faire câlin avec nous. Viens faire câlin avec nous. Regardez-le, lui. Melba, laisse-la. Viens, Kamel, viens faire câlin avec nous. Viens faire câlin avec nous. Non, mais j'ai dit Kamel. Pourquoi vous vous mettez, vous faites barrière pour pas que Kamel elle vienne voir maman? Vous êtes pas cool, hein, tous les deux là. Viens, ma Kamel. Oh oui, viens, ma Kamel. Oh oui. Mais arrêtez! Je veux faire câlin à Kamel, pousse ça, toi. Viens, ma Kamel. Oh, viens, ma Kamel. Oh, viens, ma Kamel. Oh, viens, ma Kamel. Oh, bah oui. Non. Non, ça suffit. Ma conne, c'est l'heure du câlin. Mon bébé câlin. Voilà ma cannelle. Ma cannelle, ma cannelle, ma cannelle. Melba, laisse-la. Mais Melba! Tu pleures un petit peu, hein. Melba, laisse plus les yeux. Faut que je te fasse les yeux, cannelle. Et voilà, baston entre Muffin et Melba. Et Muffin qui met sa grosse tête. Et Melba. Voilà. Vous embêtez. Là, franchement, vous écrasez Cannelle. Hein. Elle n'est pas d'accord. Elle a une grosse tête. Hein. Mais Muffin, on voit que ta grosse tête. Je veux voir Cannelle un peu. Massage du crâne. Massage du cracrâne. Ma fille, on voit que ta grosse tête. Mais il n'y a pas que toi pour les câlins cannelle, on n'a pas beaucoup, contrairement à vous deux. Hein. Oui, ma cannelle. Oui. Tu sens le pipi de chat? Qu'est-ce que ça fait? T'as mis ta tête dans un pipi de chat, toi? Non, mais regardez-les, ces deux-là. J'essaye de faire un plan des trois. Il y a une grosse tête de muffin devant Canel. Non mais les jaloux. Ah, ils veulent pas que Canel ait des câlins. Ah, ils veulent pas que Canel ait des câlins. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Bûche de Noël. Voilà. Il est 23h56. Je fais mon soin des ongles. Donc je mets hop mon huile de ricin et d'amande douce sur les ongles. Alors oui, il faut faire attention de ne pas en mettre partout parce que voilà, les chiens, Melba étant très intéressée par tout ce que je peux mettre comme produit cosmétique pour les chouiller, bah arrête, tu vas être malade. C'est pour hydrater mes ongles, parce qu'ils sont très secs en ce moment. Et j'ai dû jeter quoi. J'ai mis dans les produits terminés ma cure Saliensen parce qu'elle a épaissi. Voilà, donc elle est plus aussi efficace quand elle est épaissie. Elle s'applique moins bien, elle sèche moins bien. Et donc en gros, au lieu de sécher en 2 secondes, bah, elle met 10 minutes à sécher. Et si je me frotte sur quelque chose, j'ai des grosses marques. Donc c'est qu'elle est plus bonne. Et puis si je me cogne, quoi, si je me griffe un ongle, elle va partir en lambeaux. Voilà. Donc j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain, qui sera le fondant Bûche de Noël, voilà. Alors oui, Noël est passé, mais moi je n'ai aucun souci à brûler un bûche de Noël en plein mois de juin-juillet et un mojito en plein mois de janvier. Hein. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà. Je n'ai aucun souci. Et aussi, je voulais vous annoncer
que hop, j'ouvre un concours sur Instagram et Facebook. Vous retrouvez tous les liens en barre d'infos, mon Instagram et mon Facebook. Si vous avez les deux, je n'accepte qu'une participation par personne. Donc, soit vous participez via Instagram, soit vous participez via ma page Facebook. Voilà. Et en fait, si vous participez via Instagram, je viendrai vous voir en MP. Vous avez juste à mettre je participe, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous mettez je participe. Et en fait, tout simplement, je viendrai vous voir en MP pour vous demander votre nom et votre prénom, pour vous enregistrer, pour vérifier qu'il n'y a pas de doublon entre Facebook et Instagram. Parce que entre Facebook, qui est nos vrais, quoi, qui en général est nos vrais noms et prénoms, on n'a pas le pseudo Instagram. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vérifier. Et comme ça, je ferai le tirage au sort. Je ferai le tirage au sort le premier, le 2 ou le 3 mars. Vous avez jusqu'au 1er mars pour participer. Voilà. Et le lot, c'est 8 fondants au choix dans les 113 ou 115 fragrances disponibles. Pour l'instant, j'en ai que 113 sur 115 parce qu'en fait, la fragrance Bubblegum est en rupture et la fragrance Vanille des îles, c'est pas encore prêt. Donc voilà. Donc je propose 115 fragrances, mais pour l'instant, j'en ai que 113, qu'une est en rupture et l'autre n'est pas encore, est aussi en rupture techniquement parce que je ne l'ai pas encore commencé. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, peut-être que d'ici mars, Vanille des îles et Bubblegum seront revenus, sûrement. De toute façon, j'ai du réassort à faire sur certaines fragrances. Faut que je continue à faire du réassort sur Rocher Praliné, Cappuccino et Vanille Orchidée, parce que j'en ai très peu. Et voilà. Et après, j'avais quoi en réassort à faire? Attendez. En réassort, je voulais faire. Je crois qu'il y a Barba Papa que je dois faire en réassort. Barba Papa, il m'en reste que 8, donc je dois en refaire. Monoï Passion, il m'en reste que 4, faut que j'en refasse. Monoï, je peux en refaire, il m'en reste 14. Et comme je compte faire les coffrets entre 4 et 5 fondants, voilà, je voulais faire un coffret 5 fondants du style fondant vacances avec Monoï Passion, Monoï Pêche et Monoï Rosé et crème solaire. Voilà. Et donc, ça serait au prix de 4 euros. Si je ne me trompe pas, j'avais dit le coffret 5 fondants, 4 euros. Voilà. Après, je voulais faire d'autres coffrets, hein, mais voilà. Faut que je refasse Palos. Non. Faut que je refasse Pistache. Il m'en reste que 8. Ça part bien, Pistache. Vanille des îles n'est pas encore fait. Le vanille, je peux te virer. Hop là. Donc, ok. Supprimer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, donc, attendez, ok, donc, faut que je refasse aussi fraises, il me reste que 11. Muguet, il m'en reste 9. Peut-être que j'en refasse. Et après, bah, Vanille Orchidée, il m'en reste que 12. Rocher Praliné, il m'en reste 13. Cappuccino, il m'en reste 15, donc ça va. Mais je peux en refaire entre-temps. Ça va, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, ouais, j'ai un peu de travail à faire en ce moment. Voilà. Attendez, là, j'ai mon huile qui a bien pénétré. Maintenant, je vais mettre ma crème pour les mains. Excusez-moi.
Donc c'est là toujours la rituale, ce qui est presque à sa fin, quoique non. Je sais pas si vous voyez ce qui... Moi je vois qu'il en reste, mais limite il va falloir que je coupe le. Va falloir que je coupe le flacon, mais j'aime pas parce que comme ça traîne sur mon sur ma table de nuit, quoi, ma table de chevet. Je suis pas très fan de laisser un truc ouvert, même si après je la referme avec l'autre morceau du flacon, mais après voilà. Donc voilà. Donc là je vais hop en profiter. Voilà. Hop. Donc voilà, le concours c'est jusqu'au 1er mars. Je n'ai pas encore donné d'heure, mais je vous dirai. Je pense que ce sera 1er mars, 20h. Le délai de participation, voilà. Et puis voilà, donc après je ferai le tirage au sort sur un site de tirage au sort. C'est le site que je me sers pour les fondants, pour élire le fondant du lendemain, le fondant qui sera brûlé. Voilà. Donc c'est un site totalement neutre, hein. Ce n'est pas ma main innocente. Voilà, donc c'est vraiment... Un site de tirage au sort, au pif, quoi. Eux, ils n'ont pas de tiens, ce serait bien qu'elle gagne et tout. Non, non, ils n'ont pas de ça, eux. Donc voilà. Donc écoutez. Hop là. Attendez, je me frotte les mains. Alors, bien sûr, pour le tirage au sort, moi, je note. Sur une liste, votre nom et prénom. Si vous venez d'Instagram, je note votre pseudo. Et si donc si vous venez d'Instagram, je note vos pseudos, votre nom et prénom. Mais quand je ferai le tirage au sort, je retirerai nom et prénom. Comme ça restera anonyme, puisque je ne pense pas que tout le monde veuille voir son nom et son prénom un peu partout. Si c'est sur Facebook, bah, je l'aurai automatiquement. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez. Je viens de faire la cage de Perséphone. Faut que j'aille à la poubelle demain. Ouais. Faut que j'aille à la poubelle demain. Puis voilà, j'ai fait mon ménage. J'ai fait mon ménage hier. Non, avant-hier. Je ne l'ai pas fait hier. Mais hier, avant-hier, j'ai passé le balai et le subwoofer widget. Donc demain, va falloir que je passe l'aspirateur et la serpillière. Voilà. Donc voilà. Donc bon. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver sur ma page, sur ma chaîne. Donc merci. Merci à vous. Et pour la personne qui ne trouve pas mon site, tout simplement, là, le lien est en barre d'infos. Il suffit juste de cliquer sur le lien du site en barre d'infos. Parce que si vous cliquez... Sur les fondants parfumés Nanou, vous allez trouver sur YouTube, vous allez trouver que les vidéos, ce qui est normal, puisque ce sont des hashtags. Ça ne dirige pas vers le site. Faut aller sur le site. Donc le site, je vous le remets là, même si je vous ai mis tout à l'heure, les fondants parfumés Nanou.com. Voilà. Et donc n'hésitez pas, vous avez donc les soldes jusqu'au 6 février, 20h, 23h59 pour profiter des soldes. Voilà. Donc je vous rappelle les soldes. Même si je l'ai fait en début de vidéo, en vidéo, c'est pas grave. Donc pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 20% de réduction. Tout, j'ai bien dit, tout le site est éligible au solde. Voilà. Il n'y a pas un article qui n'est pas éligible au solde. Tous les articles sont éligibles au solde. Ainsi bien mon roman que les brûleurs, que tous les fondants, que les poudres de parfum pour aspirateur, que les diffuseurs pour voiture. Voilà, tout est éligible. Voilà, tout est éligible. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer soit via mon mail. Soit via le chat du site, soit via Facebook, soit via Instagram, peu importe, soit via TikTok. C'est comme ça que j'ai connu Josiane Benguigui et Princesse Yona via TikTok en fait à la base. Josiane Benguigui, c'est son surnom.
Elle m'appelle Osborne, hein, donc bon, c'est pas grave. C'est en fonction de notre un délire qu'on a avec notre physique. Et en fait, elle n'osait pas me parler via YouTube. Donc, elle laisse beaucoup de commentaires maintenant, mais des commentaires smiley. Donc, vous saurez qui c'est. C'est Audrey. Voilà. C'est Audrey. Et en fait, elle n'osait pas laisser de commentaires sur YouTube et tout. Et finalement, elle sort de plus en plus de sa zone de confort. Donc, merci, ma belle. Tu sors de plus en plus de ta zone de confort. Donc, ça me fait plaisir parce que tu laisses des commentaires sous mes vidéos. Même si ce ne sont que des smileys. Au moins, je sais que tu regardais mes vidéos, je sais que ça t'a plu. Voilà, je sais que bon. Et en fait, elle était venue me parler via TikTok. Voilà, elle était venue me parler via TikTok. Et finalement, maintenant, voilà, c'est devenu une amie. Hein. Clairement, c'est devenu une amie, même si c'est virtuel. Même si c'est virtuel, je trouve que c'est une personne. On est assez connectés sur certaines choses. Alors, le fait qu'on ait deux vierges. Signe astrologique, donc on est un peu complémentaire sur le signe astrologique, et après on est complémentaire sur le fait que on pense aux autres avant de penser à nous-mêmes. Voilà, et puis après il y a plein de similitudes entre nous, il y a plein de similitudes, donc ça nous fait marrer parce qu'elle dit, mais j'ai l'impression de te connaître depuis des années, alors qu'en fait, pas du tout quoi. Ça fait quoi? Ça fait un mois. Ça doit faire un mois et demi que je la côtoie, que je la côtoie, un mois ou 2 mois, je sais plus. Je crois que c'était avant Noël. Donc vous voyez, comme quoi il y a des relations qui se tissent très vite. Il y a des relations qui se tissent très vite. Donc voilà, je suis contente de l'avoir connue. Je suis contente de connaître plein de monde sur YouTube. Des personnes sur YouTube que je suis contente. Genre Sophie, Tata Sandra. Voilà. C'est des gens de YouTube, hein, c'est des gens de YouTube qui ont une part importante, qui ont une part importante. Après, il y a Tati Gilberte aussi, mais Tati Gilberte, on s'est connus plus par Instagram, même si elle suit sur YouTube. Coucou Tati Gilberte, Tati Ikea aussi. Et en fait, voilà, on se parle par Instagram, on se parle par message, on se parle par Facebook. Mais à la base, voilà, c'était une personne qui me suivait sur YouTube grâce à Gwenaëlle RT, à qui j'avais envoyé des fondants, voilà, qui avait fait un réel sur Instagram. Donc Tati Gilberte a débarqué sur mon Instagram, puis sur mon ancien Instagram, puis elle a débarqué après sur YouTube, et puis finalement voilà, c'est une réelle, c'est devenu une amie réelle. On s'est vu 2 fois, mais on s'est déjà vu au moins, on s'est déjà rencontré. J'espère la revoir très prochainement, j'espère que sa santé va aller mieux. Parce que j'ai du taf! Non, je déconne. Là, faut que je m'y mette toute seule à faire mon taf un petit peu parce que j'ai pas lui coltiner 40 boîtes à empaler. Mais bon. Excusez-moi. Donc ouais, j'ai pas lui en coltiner 40 boîtes à emballer. Donc faut que j'en fasse quelques-unes quand même. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Il est 3h18 du matin, je ne dors pas tout simplement parce que je me regarde enfin la série The Original, quoi, The Original, peu importe. Donc là, c'est le, qu'on peut dire, le dérivé de Vampire Diaries avec les originels. Donc voilà. Donc je regarde cette série. Donc là, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. J'accroche bien. Donc je m'entamais le troisième. Et en fait, j'avais totalement zappé de venir clôturer le vlog. Voilà. Donc, je pense qu'il sera assez long, donc je vais le monter, le publier, et je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications, et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!